Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Vous vous demandez où faire un tatouage à Koh Samui? C'est vraiment un endroit que je vous propose de venir visiter après être allé faire un tour à Koh Samui Waterfall. Vous avez un jardin bio avec tout un tas de plantes et aussi des salas pour vous reposer. Vraiment un endroit très très zen qui donne envie de se balader pour découvrir. Un endroit super bucolique. Vous pouvez même venir manger, on vous fera un green curry délicieux. Je ne sais pas si vous connaissez ces fleurs, ce sont des roses porcelaines. C'est très joli. Ici, on est dans la jungle. Ça s'appelle The Chilling Hills ou alors 9D. Ou encore le bar de la jungle, peu importe. Et c'est Tep qui est en train de faire un tatou. Donc pour les amateurs de tatouage à Koh Samui, vous pouvez venir ici. Là, on a choisi une phrase sur les cinq éléments, donc les quatre que l'on connaît, et puis l'autre qui est plus sur le thème de la méditation, de la pensée. Et regardez le travail soigné qui est en train d'être réalisé. Vraiment, il pique exactement où il veut. Donc c'est le système du tatouage au bambou, avec une pointe, alors là qui est modernisée bien sûr, mais historiquement c'était fait avec du bambou. Ça fait pas mal. Pas du tout. Vos impressions? Exceptionnel. Avec le tatouage, terrible. Voilà. On va attendre un peu qu'il avance et je vous remontre dans quelques instants la fin du tatouage. Et c'est un tatouage qui permet d'aller se baigner vraiment dès aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre que ça sèche comme certains tatouages ailleurs. Donc voici l'encre qui est utilisée. Il a mis une petite réserve ici devant le Bouddha et de temps en temps il vient mettre sa plume, enfin sa pointe. Ah, un toqué. Ah oui. Deux. Voilà une petite incantation de Tep. Voilà, il y a une forte concentration. Avec ses pouces et index, il guide la pointe. Tout est vraiment parfaitement nettoyé, c'est vraiment sécurisant. Voilà, pas une goutte de sang. Le tatouage est terminé. And in 1 hour, more black. Dans une heure, ça, okay. Il y aura plus de couleurs, nous dit-il. Thank you, Kuntep. Kapumaka. Voilà, si vous voulez d'autres types de tatouages, il peut faire du remplissage avec des pointes, des aiguilles un peu plus larges. N'hésitez pas, il est très compétent, Tep. Eddie fait ça aussi.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose d'actionner les likes. Merci pour vos encouragements. Merci Tep. Thank you very much. Kaponka. Bye bye.